Et bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc une nouvelle vidéo sur Dying Light. Je sais que certains ça leur a manqué, parce que ça fait un bon moment que j'en ai pas fait. Donc du coup voilà, je voulais m'y remettre un petit peu, sachant qu'il nous reste quand même plus grand chose à faire dessus. Mais voilà, je me suis dit ça peut être sympa de se mettre un petit peu dans le massacre de zombies. Et on va faire une petite zone de quarantaine qu'on n'a pas encore fait. J'ai pas le temps. Olé. Alors là, on va vite fait du coup rejoindre l'autre ville. On va profiter pour dormir aussi parce que du coup on est quand même de nuit. C'est pas le moment de clapser, on va pas se mentir. Zone sécurisée. Allez. Salut. Je veux bien. Bon ça je m'en fous, mais au moins les matériaux. Donc là on va dormir. On va passer la nuit. Hop, tac. Viens à toi, je vais te faire un bon prix. Bah, fais-moi un bon prix, vas-y, fais-moi un bon prix. On verra plus tard pour le bon prix. Ah oui, hop, c'est par là qu'il faut aller. Pour aller à la vieille ville. Donc on va aller à la vieille ville, on va aller tenter de se faire ce petit cette petite zone de quarantaine. Espérant qu'elle soit pas trop dure. Parce que c'est vrai que la dernière qu'on a fait a été quand même assez costaud, hein, on va pas se mentir. T'as besoin de nouveau matos ? Attends, je viens, il faisait nuit, il faisait jour. C'est quoi ça? Ouais, jusqu'au matin, vas-y. Ok. C'est bon, ça va mieux là. On va monter et on va prendre la tyrolienne, je pense. Voilà. Allez, c'est parti. Oh mon bateau, oh, oh. Ok. Ça c'est bon. Vous voyez qu'il y a un zombie en face. Ok, allez c'est pas grave. On y va. Allez Doc, ça c'est bon. Je sais pas du tout où je vais. Je me rappelle même plus où c'est d'ailleurs. Je sais que je l'ai découvert parce que sinon j'aurais pas accès à la mission. Mais je me rappelle plus du tout où je l'avais découvert. Allez, on monte. On doit pas être loin normalement là. Être trop loin. Alors elle est où cette école là? Je sais pas quoi là. Bon, on va sauter sur le paquet de poubelle et on va enchaîner. Pas le temps, pas le temps. Bon, on devrait plus être trop loin là. On y est. Ok, alors ça va être par là. Non, c'est pas par là. Perdu. C'est un peu plus loin, c'est vers ici. Allez, c'est parti les amis. Alors je sais pas ce que ça va donner, hein. Je crois que j'ai des armes d'ailleurs. J'espère d'ailleurs. C'est vrai que je suis parti sans vérifier si j'avais des armes, ça c'est pas très intelligent. C'est pas grave. Ok, déjà on va commencer par la case lumière. Par la case... Oh. Le monsieur qui est parti sans armes. Très intelligent ça. Bon. S'il n'y a pas besoin de les utiliser, on les utilisera pas. On va quand même se prendre des précautions et réparer son arme. Ok. On va fouiller quand même parce que s'il y a des munitions, je vous cache pas que je cracherai pas dessus moi. Ok, je vais fouiller un peu l'endroit. Ah, il y a des fruits secs et tout. Ok, il y a quoi d'autre là? J'ai quelques bandages, c'est déjà ça. On a quoi là? La bouffe. Normalement je dois aller là-bas. Ok, des trucs à fouiller, c'est cool. Ça fait de l'argent et tout. Ah c'est quoi? J'ai cru voir un truc là. Non? Ah d'accord. Ah c'est là. Ok, du gaz, c'est cool. Enfin de la gaz, pardon. Ok, allez c'est parti. Je peux pas l'ouvrir? Bon. Ok, tant pis. D'accord. De la gaz. Moi je fouille tout, hein. Même s'il n'y a pas. Même s'il n'y a rien. Là, il y a l'air de rien avoir. Hop, rouleau adhésif. Du vide. Un gaz encore. Nice.
Ok, on peut rien faire. Si. Donc là je dois récupérer des caisses en fait. C'est un système de caisses encore. Ok, je vois qu'il y a du monde déjà. On va tout de suite prendre les choses en main en fabriquant quelques cocktails Molotov. Alors, mais qui sont où mes cocktails? Cocktail, 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 cocktail Molotov, la 30. Vous n'avez plus de place dans l'inventaire. Pardon? Alors attends. Si j'ai plus de place, on va en faire de la place. C'est parti. Démonter. Ça, j'ai pas démonté ça, non. Limite, la fois ici, limite. Ok. Non, parce que j'aimerais quand même faire des cocktails Molotov, quoi. Faut pas déconner, non. Cocktail Molotov. Ah, bon. Vous savez quoi, je vais en faire 20. Comme ça, on est large. Et puis, si vraiment, j'en ai pas besoin, bah, ça me fera des cocktails Molotov pour la suite, quoi. Mais je vais en faire 20, donc 10 craft, encore 5. Comme ça, on est large. Et je pourrais les tuer plus facilement, parce que vu que j'ai pas beaucoup de balles, et que j'ai pas forcément envie de me faire spotter par les plus gros là. Encore un. Est-ce que j'ai des pétards? La question. Est-ce que j'ai des pétards? Alors, déjà, quoi qu'il arrive, on va essayer déjà de retrouver les cocktails. Ah, ils sont là. Cocktail Molotov, on va les mettre à la place de ça. Les pétards, ils sont où les pétards? J'ai pas de pétards peut-être. Hein. C'est possible que j'ai pas de pétards par contre. Donc je vais en refaire. Pétard, ça coûte rien normalement. Ah, quoique. Bon, ça va parce que ça produit par 8, alors ça va plus vite, mais on va faire 24. Déjà, on est tranquille. Ok. Oh là, mais déjà d'entrée, il y en a un qui était déjà là. On va le calmer direct, je pense. C'est parti. Voilà, déjà ça c'est fait, on n'en parle plus. C'est fait. Ça c'est fait. Reste au sol. Voilà, ça c'est fait. Ça c'est bon. Si on peut éviter d'utiliser... J'aimerais l'achever. Bah, je crois que je l'ai achevé. Ok, par contre, à mon avis, c'est pas le seul, voilà. Voilà. Ça, les amis, j'ai envie de vous dire que c'est fait. Sans utiliser un seul. Alors, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais me camoufler. Et je vais tenter de les tuer en passant par derrière. Parce qu'il me semble que c'est possible. Avec une de mes nouvelles techniques. Donc là, je dois fouiller tous les endroits du coin, en fait. Donc on va passer, par exemple, ici, là. C'est parti. Ah, il y a le crochetage à faire, quoi. Super. Et tout gagné, là, avec du crochetage. Oh, non. Yes, 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 yes. Nickel. Alors, logiquement... Ah, non, c'est bon. Personne, je crois. Mais il y a du crochetage de partout, en fait. Ah, j'y étais, je crois. Yes. Je pense que c'est une des caisses qu'on doit récupérer sur les 5. Ouf. Il a l'air de faire plaisir, ce sabre. Il a l'air de faire tellement plaisir que je pense que je vais, hop, défoncer une de mes trucs et je vais le prendre avec moi. Ok. Hop, c'est parti. Je vais sûrement foutre en l'air le crochet. Ah, mince. Que je l'avais en plus. Bon, on va en faire d'autres, c'est pas un problème. On va en refaire d'autres. Crochet, 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 crochet. Ah, ils sont là. Ok, l'avantage, c'est que ça se fait par 5. Je peux en faire 450 en tout. Nous, on va peut-être pas faire les 450. On va peut-être en faire que 20 pour le moment. Ça sera déjà pas mal. Ok, c'est parti. Donc, normalement, c'est vers là-bas. Si je me trompe pas, c'était vers là. Un peu plus haut, peut-être. Yes, yes. Ah, merde. C'est pas grave, on recommence. Yes. Voilà, nickel. Ok, c'est parti. Oh, inventaire plein. Ouh, elle a l'air bien puissante celle-là aussi. Ouais, avec la molette là qui ressemble à rien là. Tac. Il y a un truc ici aussi là. Il y a quoi là-dedans là? Corde et aérosol. Ok. Par contre, j'ai toujours pas une des 5 caisses là qu'on doit fouiller. Ça c'est un peu dommage par contre. Il y a quoi là-dedans? Est-ce qu'il y a de la gaz? Non, pas de gaz.
Ah, est-ce qu'on a des trucs sympas là? Ok, produit domestique, une lame, super. Wow! Jamais par derrière comme ça, mais t'es fou toi. Il est fou. Oui. Je sais pas si vous avez eu la même pression que moi, mais c'est ça aussi là, ça faisait trop de bruit, c'est pour ça. Alors là on a quoi? Produits chimiques, câbles, clous. Ok, c'est bon. Ah, y a quoi là-dedans? Y a pas de... Ouais, non plus. Ok, bon, ici on a fouillé, c'est pas la peine d'y retourner. Ah, non, non, j'y viens, ça sert à rien, j'y viens. Alors on a... Y a l'air d'avoir du monde là. Yes. Ok. Il nous a pas vu. Donc on va le tuer tout de suite. Parce que ça, mourir par ça, ça me fait un peu mal, quoi. On va se badigeonner encore. Parce que l'avantage, c'est qu'il nous détecte pas quand on est comme ça, en fait. Et ça, c'est bien parce que ça va, quoi. Ouais, ça va, hein, calme-toi. Est-ce que je m'énerve moi? Tiens d'ailleurs, tiens. Rentrez pas d'ailleurs. Hop, allez, est-ce que c'est une des caisses qu'il faut récupérer? Non. Allez, tu peux le faire. Yes. Petit poney. Alors ça c'est quoi ça? Ça a l'air pas... Ouais, pff. Le problème c'est que c'est ça, c'est qu'au bout d'un moment j'ai plus de place quoi. Donc limite, à part si c'est une arme à plus de 400, le reste je laisse quoi. Oh là là, il y a un nombre de caisses incalculable, je pense que c'est vraiment nickel pour le stuff, mais alors le problème est que faut venir à vite quoi. Ou alors limite avec une arme blanche, un fusil, un flingue. Combien celle-là? 300, ouais non, 300 je prends plus. Va se casser toi. Je suis pour la destruction des télés. Ok. Il nous reste plus que cette zone à fouiller. Camouflage. Voilà, ok, bon, on n'est pas tout seul. Parce qu'à mon avis, on n'est pas tout seul. Ah, quoique. Si, si, on est tout seul. Ok, il n'y a rien à récupérer ici. Là, j'ai une pièce électronique. Des fruits secs. Ah, un rouleau adhésif. Ah, voilà une des caisses. Enfin, je vous cache pas que là, sur les 5 caisses, si j'en ai qu'une que maintenant, ça craint pour la suite, quoi. Ok. Donc là, j'ai fouillé, c'est ça que j'y aille. Par contre, il semblerait que la sortie soit par là-bas. Donc on va y aller. Vers un bout de mur défoncé, non? C'est ça? Ah ben non, non, c'est dehors. Ok. Je pense qu'il faille prendre l'ascenseur. Il y a un vieux bruit là qui fait style... Viens, viens, viens chercher bonheur. Bon, ça c'est fait. Allons-y les amis. Descendons. Ou pas. Montons. Est-ce que je vais réussir à m'accrocher? D'accord. Ok. Le bruit me plaît pas déjà. Le bruit me plaît pas du tout. Oh. Ah là là. Aïe 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 aïe. Les amis, aïe aïe aïe. Hop là, voilà. Déjà. Ah, ils vont essayer de venir, je pense. Donc du coup, on va tout faire cramer. De toute façon, le grappin, j'utilise pas ici.
C'est parti, une petite flambée savoyarde. Voilà, on va tout faire cramer parce que ça va quoi. Allez les gars. Je suis plutôt courageux d'habitude, mais là je vous avoue que hein, c'est bon quoi. Ça va aller quoi. Bon, déjà ça c'est fait. Une bonne chose de faite. Il y en a sûrement d'autres, hein, mais... S'il en reste, on se les fait. Je vais tout de suite me camoufler. Parce qu'à mon avis, on n'est pas tout seul. Ok, bah là faut fouiller, c'est parti. C'est bien ce qui me semblait. On va se recamoufler. Tu peux dormir s'il te plaît, merci. Alors attention, là on y va là. Deuxième caisse, c'est bon. Déjà ça c'est fait, c'est cool. On va essayer de faire un peu plus de speed parce que c'est vrai que ça dure longtemps, on va pas se mentir. C'est parti. Hop. Allez, on va essayer d'aller par là. Ok, alors là du coup on revient sur nos pas, ça sert à rien de trop traîner ici. Tac. Donc là, je vais aller voir là-bas ce qu'il y a dans la caisse. Là, c'est bon, il y a quoi? Il y a Tomahawk, ouais, ouais d'accord. Ah, ben une des caisses, super. Ça fait donc 2, ouais, 3. On est donc plus que 2 caisses, c'est cool. On va faire les chambres en face, là, ici. C'est parti. Mais viens, mais viens. À toi, mon gars, à toi. Ah, il y a un bébé. Non. Oh là là. Fais chier. Putain. Saleté là. Faut que je le bute. Faut que je le bute. J'ai pas le choix, faut que je le bute. Tais-toi. C'est pas possible ça. Eh ouais, hein, les gosses, je vous explique pas. Et donc il reste cette piole normalement. C'est parti. Nickel. C'est parti. Voilà, fais dodo. Calme-toi, toi. Allez, on va tenter d'ouvrir cette caisse. C'est parti. Alors là, j'ai pas l'impression que... Ah là là. Elle veuille s'ouvrir, là. Attention. Allez, ouvre-toi. Parce qu'en plus, j'ai l'impression qu'il y a du monde pas loin de moi. Peut-être une impression, mais... Peut-être pas aussi. Donc, du coup, on va pas prendre de risques. Allez, on enchaîne. Est-ce qu'il y a la dernière caisse ici là? Bah non. Bien entendu. Ok. Alors attendez, ici il n'y a pas de caisse. Là, je vais ouvrir. Là on a à crever de ressources. Donc on va continuer à fouiller. Hein. Alors je me suis dit que ce serait peut-être ici, mais en fin de compte non, c'est pas ici. Alors il nous demande de monter, c'est un peu chelou ça. Parce que là ils nous disent que dans l'ascenseur ici là, il y a quelque chose en fait. C'est très bizarre. Donc du coup je vais descendre. Ah bah oui, d'accord. Bah écoutez les amis, voilà. Donc du coup c'est bon, c'est terminé. Du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va remonter parce que l'origine on était en haut. Et puis je pense qu'on va pouvoir sortir du truc. Alors j'ai peut-être même vous épargner le final en fin de compte parce que c'est hop là, sachant que là on va juste sortir du bâtiment en fait. Donc du coup en vous remerciant d'avoir suivi cet épisode. Et du coup on va se retrouver très prochainement pour une prochaine vidéo sur peut-être sur Dying Light, hein, c'est possible que je refasse une vidéo sur Dying Light. Du coup tenez-vous prêts pour une prochaine vidéo sur AlexKidGaming. A bientôt les amis.